Bonsoir et merci d'être avec nous pour ce nouveau numéro de 7-8. Le débat, l'émission est consacrée à une question qui fait débat depuis 14 ans, la sélection à l'entrée en master. Alors la droite y est favorable et de son côté, la gauche souhaite que les étudiants aient un droit à la poursuite des études. Alors faut-il une sélection à l'entrée au master? Pour en débattre avec nous ce soir, Myriam Cornillet, vous êtes responsable de la section Unie et vous êtes contre. Et Naïm Chili, ici présent, président de l'UNEF Yvelines, et de votre côté, vous êtes contre. Bonsoir à vous deux. On va vous donner la parole, Madame Cornillet. Pourquoi vous êtes contre? Donc, cette réforme donc voulue par Najat Vallaud-Belkacem, donc ministre de l'Éducation nationale et de l'Enseignement supérieur, pose le droit à la poursuite des études tout en parlant de recrutement. Or, ce droit à la poursuite des études va générer déjà un conflit entre le rectorat et les présidents d'université. Tout d'abord parce que le rectorat aura une obligation de proposer 3 choix à chaque étudiant qui n'aura pas eu le master qu'il souhaitait. Or, les présidents d'université auront des soucis et donc ça va créer après des facs d'excellence et des facs, on va dire, bas de gamme entre guillemets. Ça va faire également des filières voie de garage et des filières d'excellence. Et de plus, ça va à l'encontre de la loi d'autonomie votée par Valérie Pécresse il y a quelques années. Alors, vous êtes d'accord avec ces propos, vous qui êtes pour? J'imagine que non. Qu'est-ce qui vous pose problème? Bon, alors d'abord, pour bien aborder ce débat, il faut revoir un peu la situation dans laquelle on était. On était dans une situation dans laquelle la sélection avait lieu entre le Master 1 et le Master 2, ce qui fait que des étudiants commençaient un Master 1 sans savoir s'ils pouvaient bien le finir à la fin, c'est la première chose. Pas pour tous les Masters. Pas pour tous les Masters, mais pour 40% d'entre eux, oui, c'était plutôt pas mal. On avait une sélection voilà, un peu floue, c'était un peu des étudiants attaqués les universités en justice, donc on avait une situation qui était intenable et sur laquelle tout le monde... Plusieurs en 2015 d'ailleurs, et les étudiants ont gagné. Exactement. Ouais. Du coup, les étudiants, les professeurs et les présidents d'université disaient qu'il fallait réformer le master. Alors, c'est quoi cette réforme? C'est effectivement, on met en place la sélection, non pas en master à l'issue du master 1, mais à l'issue de la licence, ce qui permet d'avoir un vrai bloc, ce qui est une cohérence pédagogique, c'est-à-dire qu'on aura 3e licence et 2 vraies années de master. Et ceci dit, la chose pour laquelle nous sommes satisfaits de ce compromis, c'est qu'effectivement, nous tenons le droit à la poursuite d'études, ce qui fait qu'aujourd'hui, ça garantit à tout étudiant qui veut poursuivre des études et qui veut avoir un diplôme de master, de continuer ses études dans la filière de son choix et dans son université. Et ça, c'est une vraie victoire pour les étudiants. Nous, ce qu'on disait, on est opposé à la sélection master car on veut pouvoir permettre à l'ensemble des étudiants, au plus grand nombre du monde, de réussir au sein de l'université. Eh bien, grâce à ce compromis, on a une première victoire, le fait que demain, on aura au moins 100% d'étudiants qui pourront avoir un diplôme du master à l'issue de leur parcours universitaire. Et c'est pour ça que c'est une vraie victoire et qu'on s'est satisfait de ce compromis. Mais cette sélection ne va pas créer des masters réellement à 2 vitesses ? Si, justement, parce que certains étudiants, on va dire très bons, seront dans les meilleurs masters, mais après, ça va faire des masters sélectifs et petits, mais après, il y aura des masters bas de gamme. On va dire, on va mettre tous les étudiants qui n'auront pas eu leur premier choix, mais qui vont avoir un second ou un troisième choix, qui vont se retrouver dans des masters surchargés et ça va dévaloriser leur diplôme et donc leur entrée dans le marché du travail. Or là, quand on voit que 40% des étudiants après leur Master 2 sont au chômage ou enchaînent les CDD ou des missions d'intérim, il faut un moment mettre une sélection et mettre une orientation sûre et durable. Comme ça, les étudiants, à l'issue de leur Master 2, auront un travail dans les mois qui suivent. Et vous qui parlez d'excellence, le fait que certains n'arrivent pas à accéder au Master 2 de leur choix, ça ne vous fait pas peur, ces masters où on va, en gros, fourre-tout? Premièrement, la même chose, c'est qu'on ne peut pas se satisfaire du statu quo. C'est pour ça que d'abord, ce compromis, même s'il n'est pas totalement satisfaisant, et que nous, on est satisfait de ce compromis, mais ce n'est pas notre position, nous voulons aller plus loin là-dessus, on est quand même satisfait, c'est déjà un premier pas. Si après, effectivement, il y a un vrai débat, il y a un enjeu, c'est le fait qu'on ne peut pas laisser se créer des masters d'élite, des masters poubelles, là-dessus, on est tous d'accord. Sauf que c'est un mauvais point de vue de prendre l'angle du fait que, bah oui, parce qu'on crée le droit à la poursuite d'études, on va créer des masters pourris, des masters d'excellence, ce n'est pas le cas. Pour éviter ce genre de choses, ce qu'il faut mettre en place, c'est garantir aussi au plus grand nombre d'étudiants, et c'est d'abord permettre aux étudiants de réussir leur licence, puisque actuellement il y a un certain nombre d'étudiants qui échouent en première année, qui n'arrivent pas à aller au bout de leur licence, parce qu'on a des conditions d'études qui sont amenables, c'est les amphis bondés, c'est les TD surchargés, c'est le fait qu'il y ait une pénurie budgétaire actuellement des universités, et c'est exactement pareil en master.
On peut garantir la réussite à tous en master si on donne les moyens et si on donne l'ambition ensuite pour que, oui, on ait une classe d'âge qui soit diplômée. Oui, mais... Notamment, on dit, cette réforme était nécessaire pour une chose, c'est qu'en France, on manque terriblement de diplômés. On estime que d'ici 2020, la France aura 2 millions de diplômés de retard, ce qui montre qu'il fallait démocratiser l'accès au master. Non, et mais investir on peut pas dans démocratiser l'accès au master. Permettre à tous de réussir sa licence et d'accéder à un master en mettant les moyens et en s'assurant que les capacités d'accueil soient largement ouvertes, c'est l'objet des discussions qui relient entre le gouvernement et les rectorats durant les prochains mois, je tiens à le rappeler. Ben, c'est là-dessus sur quel nom on veut aller, c'est permettre à tous d'accéder à un master et dans nos conditions, là-dessus on est d'accord. Oui, vous non, y répondez, vas-y. On ne peut pas permettre à tout le monde d'accéder à un master. On n'a pas, on va dire, on n'a pas tous les capacités de faire un master. Si déjà on mettait déjà une sélection avec des prérequis entre le bac et la première année, avec une bonne orientation et un très bon suivi, il y aurait un taux d'échec inférieur à ce qu'il est actuellement. Quand on voit que 30% des étudiants valident leur licence en 3 ans, ce qui est assez surprenant, donc, autant avoir des prérequis entre le bac et la L1, permettre à des étudiants de faire une licence dans une filière qui leur conviendrait et où ils sont sûrs de réussir, et après de mettre une autre sélection à l'entrée en M1. Comme ça, on ne va pas dire à tout le monde, faites des masters, parce que faire des masters, c'est bien, mais après, il faut aussi avoir un travail à côté. Donc, vous, à l'entrée à la fac, oui, vous voulez mettre un concours avoir des prérequis. Parce que c'est, quand on voit qu'il y a 500 étudiants... Mais le bac ne fait pas office de prérequis pour non, vous ? Non, le bac est, le bac est donné à tout le monde. Ah, il est dévalorisé pour vous ? Quand on voit que 90% d'une classe d'âge obtient le bac, c'est pas... 80% d'ailleurs. Ouais, mais 90%, on va dire tout le monde a son bac maintenant. On n'est pas 80% oui, non plus, mais... on s'en rapproche. C'est vos propos. Ouais. Vous êtes d'accord ? Là-dessus, il faut essayer d'avoir les bons éléments de base. Premièrement... un diplôme, ce n'est pas le nombre de personnes qui l'obtiennent qui estime sa valeur. C'est combien on investit et comment on s'assure que ce diplôme-là ait une valeur en termes de l'enseignement qu'on va lui apporter, les conditions dans lesquelles cet enseignement va être attribué. Ce n'est pas parce que 80% d'une classe d'âge a un bac que le bac perd sa valeur. C'est mais pareil c'est pour le diplôme. Ce n'est pas parce que beaucoup de gens sont diplômés que ça perd sa valeur. C'est est-ce qu'on met les moyens ou pas pour que ce diplôme soit vraiment efficace, que les étudiants qui ont eu ce diplôme aient eu des connaissances et des compétences qui aujourd'hui leur permettra d'évoluer sur le marché de l'emploi, etc. Donc, d'abord, il faut reposer les bases du débat. Et ensuite, il y a quand même une chose qu'il faut satisfaire, c'est qu'aujourd'hui, il y a énormément de personnes qui ont accès à l'enseignement supérieur. On a cité une massification ces dernières années. Oui. On le voit encore ces dernières années avec un peu tous ceux qui sont nés dans le mini baby boom des années 2000 qui accèdent à l'enseignement supérieur. Mais ceux qui ne rentreront pas dans les masters de leur choix, on en fait quoi ? Parce qu'ils ne vont pas aller dans ces fameux masters si on choisit journalisme, par exemple, ou une école de... Enfin, un master en commerce vraiment UP et qu'à côté, on a juste, je ne sais pas, je prends un exemple de l'histoire, ce n'est pas les études qu'on voulait faire. Qu'est-ce qu'il fait, justement. Ce garçon ? Il arrête, il retourne, il va sur le marché du travail sans master 2 ? La première chose qu'on a dit, c'est qu'on a une justification d'enseignement supérieur. Le problème, c'est qu'on a dit énormément d'étudiants ont les choses en licence. Il faut bien avoir la base du débat. Pourquoi ? Pas parce que les étudiants sont mauvais, de mauvaise foi ou quoi que ce soit, c'est parce qu'on a un étudiant sur deux qui est obligé de se salarier parce qu'il n'y a pas assez de moyens pour vivre au quotidien, parce que voilà, on n'a pas les conditions idéales pour étudier, c'est tout ce qu'il faut prendre en compte pour comprendre quand même actuellement l'échec en licence. Ça, c'est la première chose. Du coup, l'objectif, c'est comment on démocratise la réussite au sein de l'enseignement supérieur et l'accès en master. Et là-dessus, c'est là où est le débat. Si actuellement un étudiant qui fera les démarches normales pour demander un master n'a pas du coup un master à l'issue de ces démarches-là, d'abord, il faudra que l'université explique pourquoi ils l'ont refusé, ce qui n'était pas le cas auparavant. Actuellement, il n'y avait aucune justification quant au refus de son master. Là, il aura raté au niveau du concours, très clairement, par rapport à ses notes. Des fois, ce n'est pas forcément sur le concours. Donc, c'est pour ça qu'on aura une base sur laquelle l'étudiant se pourra juger. Et surtout, le rectorat fera 3 propositions. Une dont il sera obligatoirement dans l'établissement où l'étudiant a validé sa licence, et 2 autres à l'échelle de l'académie, ce qui évite par exemple que des étudiants qui sont dans la région Aquitaine-Limousin, par exemple, ça évite à des étudiants de La Rochelle de devoir aller étudier à Limoges. Clairement, c'est des choses plutôt utiles et qui évitent la mobilité. Et surtout, les 3 vœux qui seront proposés par le rectorat seront obligatoirement dans le parcours, en correspondant au parcours universitaire de l'élève et aussi au parcours professionnel que l'élève veut mettre à la fin de son master. C'est pour ça qu'effectivement, on évitera la situation où un étudiant en histoire va se retrouver en économie ou un étudiant en journaliste va se retrouver en biologie ou je ne sais quoi, des situations qui ne seraient pas tenables. Et c'est pour ça que ce compromis, oui, on est satisfait. À vous. C'est pas le meilleur compromis parce que justement, si on aurait fait une sélection dès le M1, ça éviterait déjà à ce que des étudiants se retrouvent sur le carreau pour le M2. Je pense qu'on est tous les deux d'accord sur ce point. La sélection dès le M1, ça permettra déjà à ce qu'il y ait un suivi sur 2 ans M1, M2 pour les étudiants.
Mais là, le compromis proposé par Najat Vallaud-Belkacem, ça va déjà à l'encontre de la loi sur l'autonomie des universités. Mais si les présidents d'universités refusent d'écouter le rectorat, comment les étudiants vont devoir réagir? Parce que justement, c'est un statu quo qui donne raison, on va dire, pour la poursuite des études, mais au recrutement. Mais sauf que c'est intenable. Mais justement, c'est bien l'objet de la loi. Ce n'est pas un simple arrêté ou un décret, c'est une loi, et ce qui fait que justement, oui, dans la loi, il sera marqué que, comme c'est le cas, par exemple, actuellement, en licence, tout lycéen qui vient d'avoir un bac peut et doit avoir obligatoirement, s'il en fait la demande, une licence en première année. C'est-à-dire que voilà, si par exemple elle suit APB, etc., etc., c'est le rectorat doit être en possibilité de lui proposer une première année de licence. Et bien, c'est exactement pareil avec ce qui va se passer. C'est-à-dire le rectorat aura la capacité juridique de proposer un master. C'est pour ça qu'il n'y aura pas de conflit ou quoi que ce soit, puisque c'est le rectorat qui prend la décision. Ça, c'est la première chose. Du coup, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Et la deuxième chose, c'est effectivement, c'est un compromis, on est satisfait, mais ce n'est pas l'idéal. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'il y ait un vrai audace, une vraie ambition pour nos jeunes dans ce pays, et qu'à l'avenir, on puisse avoir un vrai investissement pour qu'on évite cette création de master d'élite, de master poubelle, et qu'en gros, nous, on est pour l'excellence, mais c'est l'excellence pour tous, et ça doit passer par une vraie ambition politique. Mais à la Pater, il n'y a pas un statu quo entre cette deuxième chance, enfin cette poursuite d'études, et puis l'autre partie, qui va choisir? Qui va faire comment ça va se dérouler, en fait? Il peut y avoir des bras de fer, justement, et c'est l'étudiant qui va en pâtir. Eh ben non, parce que c'est la loi. C'est tout simplement, vous disiez, ça revient sur la loi d'autonomie. Franchement, personnellement, je suis satisfait. Parce que la loi sur l'autonomie universitaire, on a vu ce qu'elle a fait. C'est des filières supprimées, c'est des filières justement d'élite et des filières poubelles créées par l'université grâce à cette loi. Donc, je suis satisfait que ce compromis revienne sur cette loi-là. Et justement, grâce au décret et à la loi qui sera paru, et on suit le processus législatif qui aura lieu dans les prochains mois, ça c'est évident, et bien ce sera le rectorat qui aura le dernier mot, et le bras de fer il n'a pas lieu d'être, puisque c'est du juridique, et que le rectorat permettra aux étudiants de continuer leurs études, et ça ben, je pense que tout le monde peut satisfaire que oui, des étudiants puissent continuer leurs études et puissent faire le parcours qui leur convient. Oui. Un dernier mot, Madame Cornillet. Il faut mieux une sélection à l'entrée au M1, comme ça évitera que des étudiants se retrouvent à devoir faire des recours auprès du rectorat, et ce compromis va dans le bon sens. Au sens où il faut un recrutement, mais le statu quo avec la poursuite des études n'est pas bon du tout. C'est un compromis qui sort de l'embryo juridique, qui est créé sous droit historique. C'est la première fois que c'est écrit dans la loi, le droit à la poursuite d'études. Nous, ce qu'on veut, c'est aller plus loin, c'est donner les moyens financiers pour que les masters ne soient pas surchargés et qu'ils puissent accueillir le plus de monde possible. C'est ce qu'on verra durant les prochaines semaines et les prochains mois. Et après, on le répète, nous sommes quand même opposés à la sélection, puisqu'on est pour la démocratisation de l'enseignement supérieur et l'accès à la réussite pour tous. Et c'est pour ça que durant les prochaines années, nous mènerons la bataille pour avancer sur ce sujet-là et que ce compromis ne reste pas un statu quo à long terme. Eh bien, on n'arrivera pas à vous mettre d'accord. En tout cas, merci d'être venu débattre sur ce plateau. C'est le débat, c'est fini. Bonne soirée à tous.